Vous, vous êtes supporter, que vous disiez des conneries. C'est normal, vous êtes supporter. Ah, salut les pieds, c'est Zanon Flou, c'est l'entraînement pas dans les meilleurs coups de compagnie du druide Oh, il est piégé. Regarde ce que j'ai pris pour toi, Brosil. Regarde, vous savez quoi ça? Regardez bien. Allez. Là, c'est toi qui vas le faire. Non, moi je le filme. Ah, tu filmes, c'est Anthony, c'est toi. Regarde. C'est Anthony. Ça, c'est pour moi. Anthony, j'ai pas le cul d'éléphant, c'est de la laine. C'est de la laine. J'ai demandé à. J'ai montré ta photo, il prenait vraiment le 8. Numéro 8. Et rose, tu as couleur de peau. C'est bronzé, mais ton cul, elle a la couleur. Je reçois plein de messages en privé des thés à poudre et du fil. Ça n'arrête hier, j'en ai reçu une dizaine. Ah, on dit pourquoi, allez, c'est pourquoi, c'est quoi le pari? Si on ne monte pas, je me coule l'anus. Bon, on va monter. C'était vendredi 16. C'était le chemin de croix, justement. Chemin de croix pour la Ligue 2, là, un peu plus, là. Ça va être au chemin de croix. Tu veux commencer par ça? Non, mais je le dis parce que c'était hier vendredi saint, du coup j'en profite. C'est dommage. On va commencer par les vendredi saint. Par les mauvaises nouvelles aussi, allez. Le comité exécutif de la FFF a décidé d'arrêter toutes les compétitions amateurs départementales et régionales métropolitaines pour 2020-2021 en raison de l'épidémie de la Covid-19 et des mesures sanitaires renforcées. Donc c'est embêtant pour les R2 et les c'est 18. Même pour nous aussi, parce qu'après, bon, ils ont mis les situations des championnats de National 2, de Division 2, féminines, suspendues par le ministère des Sports, feront l'objet d'un examen ultérieur au regard des perspectives de reprise possibles définies par l'État lors du prochain COMEX de la FFF. Donc ça va fausser peut-être le championnat de N1. Tout le monde pense à ça, parce que la N2 ne va pas remonter. Ouais. Donc ça va peut-être fausser le championnat. Pour les descentes. Pour les descentes de N1. Il y en a beaucoup qui ne vont plus jouer, quoi. Ils ne vont plus jouer le jeu. Mais là, peut-être justement, ils retardent au maximum l'info pour que... Est-ce que justement, par rapport à... Est-ce que c'est un autre avantage? Je n'ai pas le calendrier. Et on reçoit des relégables. On reçoit Annecy, Lyon. Voilà, on reçoit des relégables. Est-ce que c'est un autre avantage? Deux, mais c'est à regarder, ça, parce que ça peut être important. S'ils arrêtent, s'ils ne jouent pas le jeu, ça peut être un autre avantage. Ouais, ça n'a jamais été sauvé. Je pense pas que les équipes... Par contre, non, mais là, c'est dommage. Vraiment, c'est pas bon pour nous, c'est pour la réserve. Ah ouais. On va rester en R2. R2 et les U18 aussi. Et les U18 qui auraient pu accéder, je sais pas, à Senoal et les U16. Parce que les gens sont tellement, culturellement et cérébralement, ça c'est un autre problème, ils fixent tellement sur l'équipe première. Oui, mais c'est normal. Ils en ont oublié que de bâtir un club. C'est un club qu'il faut bâtir. Il n'y en a pas beaucoup qui pensent, c'est vrai. Les R2 jouent contre Lourdes, les U18 contre le Vieux-Port, à un moment donné. La sélection de FFF avec eux. J'avais vu tout le Gret, c'est les dinosaures, c'est horrible, il a gagné et tout, c'est le Gret qui est passé président de la FFF. Hein. C'est affreux, il a 73% devant truc. Mais vaut mieux lui que ça fait bien. Non, mais moi bon, c'est quand même catastrophique que tu n'arrives pas encore à trouver des gens capables de tenir une FFF. C'est des chasse gardiens de foot, c'est blatter, comme il fallait faire. Et je t'en donne la vie. C'est moi les catastrophiques. Ce sont des petits Pol Pot à tout leur niveau. C'est honteux. Même si on préfère à lui que Thierry. Mais c'est catastrophique, type comme ça encore au milieu. C'est trop poseau, là, mais. Les jeunes, un peu. Place aux jeunes, l'argent. Bon, là, il a présenté Philippe Onyoumi, quoi, maintenant, tu penses. Onyoumi qui est sur Camperet. Philippe Onyoumi sur Camperet, il poste beaucoup. Pour ceux qui le connaissent. Oui, peut-être trop pour certains. Ah, c'est jamais trop. C'est ma passion, hein. Tu vis ta passion tous les jours, et puis attends, tu as envie de parler, tu dis ce que tu veux, il faut arrêter. Qui était sur le forum depuis des années. Il était sur le forum que, déjà, le forum n'existait pas, il était déjà dessus. Surnommé Philippe Wignouli. Oui, c'est ça. Ah, le voyant tribune. Ça, c'est toi, tu étais à Paris toute ta carrière, pratiquement. La retraite, mais oui, oui. Tu as fait le club des supporters de Paris en tous les week-ends, tu partais quasiment. Non, pas tous les week-ends, parce qu'à un moment, les gamins étaient petits, mais j'en ai fait quelques déplacements, oui. Voilà. Oui, avec Keith, Johnny et tous les autres. Toi, tu as connu ce qui est bien, toutes les générations qu'il y avait à Paris de supporters. Jeunes étudiants, vieux. Ah, bah oui, j'ai connu Duan, qui est parti. Bon, qui est décédé, ouais. Il y a peu de temps, mais je l'ai connu, il était encore très jeune. Hein. Et lui était. C'est un cerveau, hein. Un garçon qui réfléchissait. Ouais, ouais. Voyez, l'équipe au moins, elle a monté. J'ai vu ça, Le Mans. Le scandale à venir, une soirée privée qui a fait polémique. Ils ont fait une soirée. Vous ne savez pas. Oui. Du côté du Mans, certains joueurs pourraient bien avoir de gros soucis dans les prochains jours,
quand le dévoile la main libre des vidéos d'une soirée privée à laquelle ont participé plusieurs joueurs aurait été dévoilé et ferait polémique. Le dirigeant Manceau aurait été informé par cette soirée qui aurait eu lieu dans la nuit du 27 et 28 mars et alors que les joueurs venaient de perdre le derby face à Laval pendant la soirée nationale. Mais ouais, ils l'ont pas fait dans la Sarthe, c'est pas possible. Mais ça arrive chez nous, ça. Paris, ça arrive chez nous, ça part. Bah, quand un club est comme ça, ça, reste jamais, ça sent jamais bon. Hein. Ah, moi, j'y croyais le Mans au départ. Je pensais que c'était une équipe qui allait un peu. Et ça ronfle encore, le Mans. Ouais, bon, après, c'est dans une bonne voie, ça aussi. Allez, le train. À Fluyane. Ça peut finir comme ça. Bon, on est content. Hein. C'était toi, Anthony, qui avait lancé quand tu étais encore président des Sociaux. Ouais, ouais, c'était un cheval de bataille. Hein. Ouais, ouais, c'était ouais. Un cheval de bataille, donc là, bravo qui continue sur ce. Mais c'est important, hein, ça. C'est important. Vraiment, j'ai reçu ma carte il y a quelques jours, je la montre. Dis-moi, il faut faire des deux côtés. Voilà. Si tu fais un train en place, là, il faut même qu'il vienne de Casamotte. Que les gens du Sud, tout ça, puissent se garer. C'est important aussi pour le Sud. Et tu vas gagner des gens. Mais c'est logique, c'est ça. C'est logique. Et les jeunes, pour les jeunes de 15 ans qui n'ont pas la possibilité de faire la panique, les accidents. C'est tout bénéf, ça. Ça, bravo. Tu imagines la chance d'avoir une voie ferrée à côté d'un stade, c'est un objet de transport moderne, on va dire, de tramway, tout ça. Parce que j'ai jamais utilisé. C'est un bien grand mot. Moi, pour l'anecdote, la demi-finale de 2002 contre Sedan, j'ai 15 ans, je suis venu en train. C'est bon, sinon, tu n'aurais pas pu venir. Non, je pense que j'avais pas pu venir. Bravo aux Sociaux d'avoir insisté là-dessus. Ça, c'est bien. C'est habituel. C'est panique, c'est bien, beau projet. Ouais. Et le stade, j'ai vu le petit jeune, petit Congolais, regardez, fan de foot a reproduit un stade avec ses propres moyens. Voilà. Faudrait qu'ils appellent à eux, la CAB. Hein. C'est pas mal, le petit Congolais, regarde comme il est bon celui-là. Regarde le stade qu'il a fait. Allez, vous appelez, regarde, la CAB. Voilà, ça c'est des maquettes. Il a pris le tribune, et bon. C'est lui qui doit appeler. Allez, bonne nouvelle avec la mairie, il y a deux mairies hein, qui ont la municipalité de Lourdes. Et celle de Figueres qui se sont engagées dans la skit. Combien ils ont donné, on sait pas. J'ai aucune idée. Je suppose que ça doit être vers 15-20 000. 20 000 par là, dans ces choses-là, ouais. En Figueres arrive le sud, on grignote tout le sud, c'est énorme. Lourdes peut-être un peu moins, parce que c'est un village, mais je sais pas exactement Je me suis pas penché sur le sujet, mais les fonds, je veux dire... C'est la municipalité de Lourdes et de Figueres, comme celle d'Irousse. Ouais. Qui sont très partenaires à la ski. C'est quoi c'est sanctionnaire. D'accord. Il n'y avait pas Bonifacio aussi. Je sais pas. Non, je ne crois pas. Je sais plus. Moi, j'ai vu le Rousse, j'ai vu Lourdes. Ce qui est important, c'est le Sud. C'est bien parce que ça va fidéliser. Tu fidélises tout le Sud, c'est monstrueux. Bon, c'est très bien. Toi, tu as des nouvelles de la ski, justement, toi qui es dedans. Non, pas du tout. J'avais reçu des papiers comme tout le monde, mais... Je fais complètement confiance parce que c'est non, pas. Non, il n'y a domaine. Pas d'AG, j'en sais rien. Oui, il y a des trucs, oui, mais ce n'est pas un domaine dans lequel j'excelle. Je ne vois pas dedans. Quoi, tu fais du... Non, c'est-à-dire que je m'intéresse sans plus. Après, s'il faut que je m'y intéresse, je m'y intéresserai, mais sans plus. Il y a tellement de. Ouais, non, mais. Enfin, il n'y a que toi, Philippe. Toi aussi, tu as. Sociaux, sont les pratiquement tous. Hein. Oui. Tu l'es pas ? Non. Longtemps ? Je crois que tu l'étais. Non. Allez, on va attaquer le sportif. Ah. La rencontre, la 27e journée à Orléans. Allez, là on va à Orléans. Tante Jeanne d'Orléans. Zen. Était bien ce match. Ah, Stade Omnisports de la Source. Une pucelle d'Orléans. Alors, blessé. Johnny Vincent, Camper, Dori Angelini. Ils ont retenu hein, Koulibaly, Mesba, Salis, Kerbache, Roncagne et Jourda. On regarde le petit 11. Et continue comme ça. Bon, avec le retour surprise hein, de Benjamin Santil, après de longs mois d'absence de blessure, oui, il intègre directement l'effectif. On sait que c'est un peu. Exprime-toi. Non, mais. Moi, j'ai toujours exprimé, j'en ai pas. Au départ, moi, j'ai dit pourquoi pas. Voilà. Non, je me suis dit, c'est même très bien. Moi, j'y croyais. Tout le monde après, titulaire d'entrée au oui, mais en regardant le match, après, Antoine, j'ai dit, grosse erreur. Mais avant, je me suis dit, bon, autant. On n'est pas en entraînement, je me suis dit autant, il est là. D'entrée, dès que j'ai vu la compo, je l'ai vu titulaire, j'ai dit c'est catastrophique. Déjà ça, et puis attends, piston gauche, mais même le groupe. Oui. C'est faut que tu couvres un terrain, mais il y a bien de courir. Justement, c'est genre le devant ou. La tactique, c'est encore trois actions. Oui, 6 mois d'absence, c'est interdit de faire ça. Interdit. Trois actions, mais trois milieux, déjà deux joueurs d'aile et deux attaquants. Bon, j'en ai parlé tout à l'heure, je me suis fait un petit peu allumer moi sur les réseaux sociaux par rapport à ce qu'on avait dit et ma position. De la chatte à Chabert. Non, parce que j'ai pas dit que ça d'ailleurs, j'ai pas dit que les résultats étaient. C'est que l'homme uniquement... ne retient que ce qu'il a envie de dire. Non, mais c'est pas grave, mais non, mais après non, je vais pas relever. Non, ce que je veux dire, c'est que
Moi, déjà, je n'ai pas dit que c'était uniquement dû à la réussite. Il y a aussi du travail qui a été fourni, c'est évident. Par contre, on avait un petit peu tiré la sonnette d'alarme sur ce système à 3 avec les deux latéraux. Donc, pour la peine, on a Campbell qui est absent. Fait jouer Santé arrière gauche, ou ailier gauche, ah, les milieu, vous voulez. Milieu arrière, ce bien qu'il ait joué à ce poste déjà. Est-ce qu'il a joué après 6 mois d'absence? Alors, non, je ne sais pas. Bon, mais la difficulté au-delà de ça, c'est qu'on avait une défense qui était plutôt lente. Il manquait de vélocité, cette défense. Et ça laisse libérer énormément d'espace parce que le jeu à 3, normalement, comme on le disait, le jeu à 3 derrière, pousse à aller chercher un petit peu l'adversaire. Là, je trouvais qu'on allait à Orléans pour aller, enfin, je ne vais pas dire limiter la casse, parce qu'on était quand même premier du championnat, donc on n'y va pas pour limiter la casse. Mais on devait procéder par contre. Je ne suis pas sûr qu'utiliser ce système de jeu et avec... Tu as la chance d'ouvrir la marque en plus. Donc, tu as la chance. Je ne suis pas sûr que... Tu dis défense lente, non. C'est le milieu, le terrain qui n'était pas adapté. On n'a pas les joueurs. C'est un milieu costaud. Mais le problème... Même si je ne suis pas pour défense lente, on n'a pas le milieu. Je ne suis pas pour moi non plus, je m'en fous. En fait, au-delà de dire... Il n'y a pas Vincent, il n'y a pas Dion. Il n'était même pas Moret, tu ne peux pas jouer défense lente. Serpico, écoute-moi. Serpico, je vais t'expliquer quelque chose. Moi, de Santé, côté gauche, ok. Mais non, j'en reviens à Salamonge en 6. Salamonge en 6. C'est chaud, oui. Et donc cet enfant, Salamonge en 6, c'est pas possible. Ça manque je m'explique. Vas-y. Je reprends même la conférence de presse de Créteil, parce que moi, je me les regarde toutes. Hein. De A à Z, ça dure 7 minutes. C'est l'Inde, tu es un truc de fou. Exact. Salamonge, la question est posée par un journaliste de ce matin, je crois que c'est Christophe Laurent, mais je suis pas sûr. Qui lui dit, on sent que Salamonge s'est bien exprimé en 10 contre Créteil. Il était plus haut, il touchait plus de ballons, il y avait de la joie dans son truc. Réponse d'autruche, réponse du néant de Chabert, mes joueurs sont contents dès qu'ils sont sur la pelouse, peu importe le poste où je les mets. Non, atroce. Non, c'est pas des réponses, atroce. Ça. Je suis désolé, de merde, ça. Je n'ai pas de diplôme, moi, je m'en fous d'avoir des diplômes, mais je suis au stade depuis l'âge de 6 ans. Je sens mon club quand même. Qu'est-ce que tu fais? On avait parlé en début de saison quand on avait vu Guibert au milieu de terrain, moi, franchement, enfin, de plus, c'est des joueurs qu'on aime beaucoup, nous, parce qu'ils sont là depuis un certain temps maintenant, et ils étaient en souffrance, enfin, un joueur comme ça qui est en souffrance. Il est mieux en 10, ce garçon, il est mieux en 10 qu'en 6. Et je finirai, moi, sur Orléans, tu m'entendras plus. Toute la semaine, on va tomber sur une équipe physique. Sur une équipe physique. Oui. On s'est fait rentrer dedans à l'aller. Ah, oui. Il y a Antoine, l'ancien chanteur, Antoine, qui est devenu, etc., point bas. On s'est fait bouger. Tu mets pas un Ducro Moret. Et Salis, je te coupe, Salis. C'est quoi le cas, Salis? Salis, tu vas rebondir sur un autre sujet. Le dicton du coach, j'ai un groupe de 25 joueurs. Il faut les faire jouer, moi. C'est exactement comme le gouvernement. Il y a 2 millions de Français vaccinés par heure. Voilà, c'est le même sujet. Non, mais c'est un scandale. Mais c'est flagrant. À l'arrière, au milieu de terrain, s'il a décidé. Sur le milieu de terrain, il a décidé de faire jouer des milieux de terrain qu'il a déjà à sa disposition, à savoir, là, c'était... Il y avait Salamonge, il y avait Moret, il y avait... Qu'il avait à disposition. À disposition, oui, c'est vrai. Mais elle a pas joué. Il a joué. Non, mais voilà, il a fait. Il a mis Chour dans l'axe. Oui, ça sent pas. C'est ça le même souci. C'est qu'il a mis Chour dans l'axe. C'est des yo. C'est une grosse cagade, ça. Et puis là, il met Chour dans l'axe. Même le cardinal. Là, hier, on va revenir. Il le met arrière gauche. Et donc, on fait jouer. Comment tu veux, toi, le cardinal, qui est mieux axe droit, et qui est meilleur archer. Orléans, il a mis Chour en relayeur. Voilà, c'est ça. Il n'a pas le truc, où tu le mets à son poste. Non, mais avec le Sarento, tu tues la défense à Boko et Guilherme, tu les tues. Tu rajoutes la difficulté de base et que pourrait avoir la défense de pas. Il faut dire ce qu'il y a, son manque de vitesse. La défense, c'est une défense qui n'est pas hyper rapide. On n'a pas des joueurs. Je dis à ton milieu. Mais bien sûr, mais je dis pas le premier. Je parle pour jamais. Je dis à ton milieu. Je vous dis à vous. Bah, Orléans, tu as du Cromoret, c'est déjà autre chose. Ah, tu préjures. Un système à 3 pour moi. Puis moi, je trouve les joueurs très fatigués. Un système à 3 comme ça où on a besoin un petit peu d'agresser l'adversaire, d'être là, d'être présent sur le porteur, d'être présent dans les duels, d'être.
là au moment de la transmission, c'est-à-dire qu'il faut être de suite au diapason, il faut être de suite au duel. C'est sûr qu'un joueur comme Murray, qu'est-ce qu'on a dit il y a trois semaines sur ce plateau? On a dit, on va au stade depuis qu'on est tous petits, on connaît notre club, on connaît un peu le foot. Qu'est-ce que je t'ai dit? Les joueurs en méforme, ils se blessent. Kemper, il s'est blessé. Raspantino aussi, Raspantino qui rentre. Je sais pas. 20 minutes, alors, c'est il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose. Vous c'est la quatrième dimension. Il y a quelque chose. Moi, je ne veux pas parler de Raspantino. Non, mais on le met sur la feuille de match, on le fait rentrer. Je ne veux pas parler de lui. C'est de l'argent. Moi, je veux parler du coach, ce qu'il fait, ce qu'il lui fait. Je ne veux pas parler de Raspantino. Tu dis par rapport à Raspantino, ce n'est pas un service. Non, tu ne le rends pas service aux joueurs. Tu le mets sur la feuille de match, tu le fais rentrer. C'est un. C'est tout. On avait une discussion avec Hans sur Raspantino à l'époque. Raspantino, il joue, c'est à deux pointes devant. C'est un joueur. C'est qu'il y avait Mesba qui n'a pas été retenu, le petit Kerbach, c'est des arrêts. Alors, tu vois que je te dis. Surtout Mesba, non Mesba. Pourquoi Kerbach? Est-ce qu'il a déjà démérité Kerbach? Non, mais c'est un scandale. Kerbach, il a fait des super entrées, il avait marqué un but. Et il est sorti au placard. C'est vrai. Alors, moi, je vais te dire une chose, puisqu'on parle dans une discussion de Salis, de machin, de tout. Tu pars à Saint-Brieuc et à Laval, tu vas passer une semaine Il prend tout le monde là. Prends tout le monde, hein. Prends Koulibaly, prends Salis, fais une unité. Mets-toi à nu. Oui, s'il dit vraiment qu'il est mets-toi à nu. Mets-toi à nu devant tes joueurs. Tu sais, Gilles. Il a dit qu'il prendrait 18 joueurs de champ et 2 gardiens. Eh ben, pour moi, il doit prendre les 25 qui nomment sans arrêt. À l'époque de Hans, on n'avait pas eu trop besoin parce qu'on était vraiment dessus au national. C'est vrai. Mais la première montée, quand il y avait la vague. Il va prendre 18 joueurs de champ et 2 gardiens. Comment faire les joueurs qui restent sur le carreau? À l'époque de la vague, oui, quand on est monté, il y avait dans l'année, il y avait Meskini qui avait joué, Michou Padovan, Bruno Lippi, Jean-Luc Bernard avait été titulaire. Stéphane Michel. Mais dans l'année, ils ont joué 5-6 matchs. Et surtout Michou et tout vers la fin. À Saint-Brieuc en plus, vers la fin, parce qu'il y avait eu beaucoup de blessés. Il a fait jouer tout. Et ils avaient pallié. À Saint-Brieuc, Michou, Bruno Lippin qui donnait des passes décisives. Bien sûr qu'ils vont pallier, mais c'est obligatoire. Parce que tu l'as fait jouer. Moi je dis, c'est amateur. Je m'en souviens tous. Moi je m'en souviens. Après, on les a plus trop vus. Oui, après, mais ils avaient fait la montée. Ils ont joué. Ils ont rendu service. C'est une armée. Je dis à tous les supporters sportifs, Koulibaly, Salis. Kerbach, Mesba, Moret, c'est un Raspantino bis pour Chabert finalement. Pour Chabert, Mika Bernoy, mais bon. Et Jourda. Tous ces joueurs, c'est Jourda. Tous ces joueurs, ce sont des soldats. Donc ce sont des soldats. Un match ou deux, tu crois qu'ils vont pas répondre présent si tu les appelles? Ils en peuvent plus. Pour revenir. Non, mais pour la grille, t'as là. Moi, j'ai eu l'impression, il y a eu un topic très intéressant sur un forum où d'un type, il dit, est-ce que Chabert, en ne mettant pas Moret sans arrêt en main, il règle pas ses comptes avec les supporters? Non, moi, j'irai pas jusque-là, quand même, tu vois. Je sais pas, moi, j'irai pas jusque-là. Parce qu'à un moment donné, le coach, il a quand même envie de monter. Tu peux pas dire qu'il va faire ça pour emmerder les gens. Là, c'est ce matelas, autant. Je sais pas. C'est ça. Si là, c'est matelas. Les mois d'avance. Si c'est intéressé, je le remets un peu. Si là, je dis ça comme ça. Il faut tenir la pression après, parce que la pression populaire, quand tu perds des matchs là, il faut tenir. Ça qui est au double, ça. Si je joue à ce jeu-là, ça qui est au double. Il va avoir intérêt à tenir la pression, parce que là, l'équipe de chocolat, comme on dit à chaque fois, elle va sortir. Bon, là, nous, Corel, la chatte à Chabert, moi, j'ai mis le joint. Parce que bon, ce match était un peu. La chatte, elle a craqué, là. On a quand même les buts. Allez, les buts, on peut commenter en même temps. Ouais, ce but encore exceptionnel, hein, encore celui-là. Ouais, de ça le tir. Ah, c'est énorme. C'est mon but qui punit. Charles Guitis. Je disais, sans me décoller. C'est l'arbre qui cache la forêt. Ah oui, oui. Là-bas, t'as qui va jouer à gauche avec Gaël Campéran. Côté droit aussi, là, les enfants. Assignon aussi, c'est Assignon. Assignon, il est plus le Antoine. Qu'est-ce qu'il est bon, c'est Antoine. Oui, c'est un magicien. Non, il est pas mal, celui-là. Moi, je l'ai vu un match. Et mon Perrin, comment tu le trouves? Perrin très bien. Bon, merci. Perrin très bien. Qu'est-ce que c'est? Mais lui, Antoine, quel âge il a? Le contrôle qu'il fait. Quel âge il a, Antoine? 26 ans. Antoine, 26 ans et né à 8 ans. Voilà, parce que. Non, il a l'air jeune, la fac. Hein. Et aussi, il faut dire aussi, Assignon n'a pas été. Hein, c'est vrai, ça fait des matchs aussi. Il n'y est plus. Hein. Deux matchs, il n'y est plus. Pour le changer, justement. Non, mais il paraît que. Alors, voilà, après, c'est des rumeurs. Il faudrait que si un journaliste puisse poser la question en conférence de presse.
Mais rumeur dit que quand il a signé, Rennes nous impose de le faire jouer. Ah bon, là aussi, il y a un compromis. Non, je pose la question. Je suis pas affirmatif. Il a raison, il a raison. Je suis pas affirmatif, mais si on pouvait, si un journaliste pourrait poser la question. C'est grave pour un coach aussi qui arrive comme ça. Le coach, on lui impose de ça. Vous le prête, mais il faut qu'il y joue. Non, mais avant que tu fasses tes matchs, on te dit non, non. Toi, tu dois faire ça. Lui, il doit jouer ça. Lui, il doit rentrer là. Déjà, je comprends, mais c'est pas joué. Mais c'est quand même enseignant. Oui, mais c'est catastrophique pour un coach. Tu n'es pas libre d'entrer, même pas un match. Tu es libre de faire tes choix. C'est vrai déjà. Il faudrait poser la question. Mais il y a des clauses comme ça. Oui, il y a joué ton match. Après, oui. Après, sur ce match-là, et ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que. Sur Orléans et le dernier. Reste sur Orléans, parce qu'après, on va parler. Quel message on lance aux joueurs quand on compte pas dire, quand on change carrément un joueur de. On met un joueur qui n'est pas à son poste. Non, pour moi, on est sûr de l'invention totale. Et puis là, Sylvain, après moi, je veux juste dire un truc aussi. Quel message on lance lorsque on met arrière gauche un mec qui à la base n'a pas été recruté pour jouer arrière gauche. On met un milieu de terrain. Alors, la dernière fois, on a eu Robic, là, on a eu Chour. Donc ça veut dire quel message on lance à Miguel. Et pourquoi Da Silva ? Miguel Moret, Avec Da Silva, avec truc Robic, ça colle pas. Da Silva, il reste sur un doublé contre Créteil. Et dès qu'il est un peu. Tu sais qu'un attaquant, il peut user. C'est un profil à la Suarez, un peu. Il faut qu'il soit en confiance. Da Silva, tu uses une défense. Faut le laisser sur le terrain. Je veux dire, tu uses une défense. Il peut le laisser au moins 90 minutes. Faut le laisser sur le terrain. Faut le laisser. Je veux dire, il le sort. Parce qu'après, on n'a pas pléthore de choix non plus, apparemment. Parce que de toute façon, on compte ni sur Mesban ni sur Kerbach. Donc on n'a pas non plus 150 demi-choix. Non, mais le drame, tu as dit tout à l'heure, c'est à double tranchant. Le drame, c'est qu'on est dans la dernière ligne droite, certes avec un matelas d'avance. On est tous d'accord ici pour dire qu'un Koulibaly et un Salis ou un Kerbach ne sont pas des titulaires en puissance. Mais c'est pas, y a pas de problème. C'est pas ça. On est d'accord là-dessus. Non, mais les gens, bon, eux ils sont meilleurs les autres. On le sait qu'ils sont meilleurs, mais ils sont fatigués. Fais jouer. Quel collecte. Mais qu'est-ce que ça s'en bat les couilles. Fais jouer les gens. Quel message tu donnes à ton groupe? J'achète aussi. Un Koulibaly, un Salis ou un Moret, ils peuvent rentrer maintenant. Fais-moi penser, Gilles, sur le match dont on va parler après, fais-moi penser, et justement par rapport à ça, ça tombe bien que tu montres cette image. J'ai une question à poser. Il y a ça aussi. Je vais déplorer. Mais ça a l'air un peu sur France Foot où c'était l'équipe. Wabri, Catherine, 290 000. Hein, alors si vous le voulez l'année prochaine, je sais pas comment. Hein, c'est un plus gros salaire de Saint-Étienne. Saint-Étienne, 280 000, ça m'étonnerait. Écoute, ils ont sorti le top salaire en Suède. J'ai discuté avec des gens du football. Moi, j'ai entendu Catherine. Il y a beaucoup de conneries dans les salaires de l'équipe. Non, mais non. Oui. Je le pense aussi. 290 000 à Saint-Etienne, ça m'étonnerait fort, je te le dis. Hein. C'est vraiment qu'il y a des chiffres. Hein. Il y a Boudbouze à 200, hein. C'est quand même un truc de fou. Hein. Et Modeste, trois anciens bleus. Regarde, trois anciens bleus, un truc de 3. Boudbouze, 200. Et Modeste, 190. Alors, tu es en train de parler de quelque chose, je vais rebondir, puisque tu parles des salaires. Il y a, bon, France Football, on n'aime pas, le chien n'est pas là, a fait un grand sujet sur les 30 plus grands présidents qu'ont eu les clubs français. Alors, on y est. Il y a un président corse. Lorenz. Non. Paul Nadal. Il est 27e sur 30. Il y en a eu des présidents dans les clubs. Sur les 30 plus grands français, tu as Paul Nadal, où le type met un article en disant que bon, le Sporting finit 4 fois en 6 ans de présidence de Nadal dans les 8 premiers. Ouais. Donc il y avait un projet la suite d'un bon Lorenz. C'est les années 20. Mais Lorenz, c'est un fantastique Lorenz. Il a travaillé avec lui. Lorenz Frombolac, Nadal, et puis après, bon, tu as eu Michel Sorbar aussi, qui a ramené un coup. Mais et après, dans les années 20, c'est devenu le travail de Nadal et tout ça. C'est bien. Donc c'est important, un projet, la R2 qui monte, les U18. Un bon acteur sportif, Gilles Philippe. Ah, c'était Dieu. C'était Jésus. Il y avait Nadal, il y avait Jacques Philippe, c'était un recruteur hors pair. En parlant d'entraîneur, il y a aussi Jean-Dré. Jean-Dré Otaviani écarté. On va savoir, vous avez vu, ça lui joue de la peine.
Il a été remplacé par Albert Cartier, nouvel entraîneur. Voilà. Dit Bébert. Bon, dit, pour, dit le gendarme alsacien. Ouais, bah, la compo de, bon, j'ai mis la compo de, d'Orléans avec justement Antoine Perrin son mari, c'était pas mal hein, devant. Très bon. C'était costaud. Hein, très, très bon. C'est bon, ça, trois actions. Là, là, c'est tout ça, là. Et ce match-là, Saint-Ruf, elle aurait dit Beckenbauer. Saint-Ruf qui a été bon. Saint-Ruf, elle aurait dit Beckenbauer. C'est issu d'une famille de mousquetaires au courant. Pour te dire. Alors qu'il aurait dû finir sa carrière ici en pas joué en nu, quoi. Bon, il avait fait quand même son mea culpa, le coach. Il a dit, nous n'avons pas été bons à Orléans, moi y compris, ça arrive, et maintenant il faut relever la tête. Avant la rencontre d'Avranches, ça, ça on est toujours avant. Hein. Il a avoué sa faute, c'est pendant la conférence d'avant-match, c'est pas ça. Mais nous, on est là pour le rappeler. C'est bien là pour le rappeler. Soyez gentils. Allons-y, les gars. Après, on va attaquer. Nous, c'est notre club. Ce n'est pas le procès de Chabert. On ne va pas faire le procès de Chabert. Non, c'est pas un procès. Moi, je veux mon club. On regarde le club. J'aime mon club. On regarde le classement. Calmons-nous. Et je n'ai rien à foutre. Je vais reprendre mon. Quevilly, bon là, on était avant la revanche, voilà. 51 points, Quevilly, 50 le Sporting, Orléans 39, un match en moins pour Sporting, on était bien là encore. Hein, on était super bien, mais pas bien. On a dit, c'est là où il faut peut-être. Donner un coup de collier contre. C'est maintenant qu'il faut y aller. Maintenant, il faudrait gagner les matchs. C'est maintenant qu'il faut y aller, en bas, je marche, en bas, en haut. Gagné. Ah, on est contre Avranches, ça y est. Alors, blessés, Cioli, Kemper, Jong et Angelini, non retenus, Koulibaly, Mesba, Raspantino, enfin sur le banc, Salis, Kervache, Roncal et Jourda. On veut, hein. Voilà. Ou je me suis trompé de ligne, non, ça doit être ça. Non, je me suis non, non, c'est ça. C'est tout le même, hein, toi, ça, pour c'est ça. Allez, le petit 11, allez, qu'est-ce qui a changé par rapport à Orléans? La défaite à 0, est-ce qu'on a changé 2-1, est-ce qu'on a changé quelque chose? Choule de numéro 8, passer vers gauche. Alors, est-ce qu'on est bon, là? C'est fantastique, ça. Est-ce qu'on est bon? On a enlevé le cardinal. De 8, boum, allez, à gauche. C'est la chaise musicale. Ce qui montre, ce qui prouve bien que le coach ne compte pas du tout sur Anthony Salis, puisque ça confirme ce qu'on disait. Il est derrière ta père, d'accord, il est derrière une santé. Derrière Chour. Voilà. Et je suppose qu'il sera encore derrière quelqu'un si. Voilà, donc c'est ça le problème. C'est, ça, c'est un problème, voilà. Sérieux. Quand les joueurs sont fatigués. En méforme, parce que genre, alors, ce qu'on veut dire, c'est qu'on ne dit pas qu'il faut sortir des Kemper, parce qu'ils sont. Non. C'est que là, on les sent. Kemper sur son niveau, il est intouchable. Non, mais on sent qu'ils sont explosés. Ils sont là, ils sont épuisés. Épuisés. Non, voilà. On n'a jamais dit ça. Mais les gens disaient, oui, mais ils sont meilleurs que des salariés. Alors, tu veux jouer quoi avec quelqu'un qui a la polio? Mais moi, ce qu'on disait, c'est qu'à un moment donné. Kemper a la polio, il jouera avec la polio. Parce que tu parlais, on parlait tout à l'heure de santé. Est-ce que Vincent va démarrer la rencontre? Alors là, moi je te dis non. Il va pas c'est la même. Est-ce que c'est pareil que ça va? Est-ce que c'est la même? Je rejoins. Moi il démarre. Moi sur ça il n'y a pas de loi et moi je l'aurais fait. Je l'aurais fait démarrer après. Trop dangereux. Après, comme je disais, on n'a pas une chance. C'est dangereux, mais est-ce que c'est mieux qu'il joue 60 minutes ou est-ce que c'est mieux qu'il joue 90 minutes? Je me rends compte qu'il a une chance. Non mais Anto, est-ce que c'est mieux qu'il démarre le match et qu'il joue 60 minutes ou est-ce que c'est mieux qu'il rentre à la 45? Et si tu as Mourad, tu pourrais te donner après. Pourquoi il met pas les deux? Alors pourquoi pas les deux? Demande-lui. Tu étais pour Santé, c'est ça, je comprends pas. Tu étais pour Santé qui démarre pas et là. Non, pour Santé qui démarre pas ce poste, c'est pas. Mais tu aurais. Et pourquoi pas le mettre devant Santé? Autant Santé contre. Mais pourquoi pas? Non, tu as un bout de 6 mois d'absence, tu peux pas. Christophe, il a manqué. Non, c'est pas les 6 mois d'absence qui génère, c'est le poste que tu dis. C'est pas les 6 mois d'absence que tu disais. Peut-être. À la limite, l'absence, c'est pas la même. L'équipe, le début de composition de Avranches est plus sensé, malgré tout, que celui d'Orléans. Oui, c'est pas la même chose, Santelli et Vincent. Déjà, ne serait-ce que parce que bon, déjà, Benjamin Santelli, cette saison, malheureusement, il a pas beaucoup joué. Donc, on sait même pas trop ce qu'il a pu apporter. En 2-3 ans, il a beaucoup joué. Tu sais, je vais te dire, moi, j'ai confiance dans une personne dans ce club. Et il a tout observé, il a tout vu, c'est Claude Ferrand. Claude Ferrand, il a vu le sentimentalisme. Raspantino, Santelli qui arrive blessé, il arrive blessé. Il n'est pas prêt de signer, sentait-il. Il y a l'agent Cagnet qui le fait signer. Il signe deux jours après. J'ai raison, je ne suis pas menteur. Il signe deux jours après. C'est passé sous silence hein, qu'il est pas avec Cagnet et qu'il signe blessé deux jours après. Hein. Mais c'est comme ça. C'est le foot. Mais quand tu gères un club comme le Sporting, quand tu attends les droits télé, les machins, que tu es obligé de regarder à droite, à gauche, et que tu te bouges le cul comme il est en train de se faire d'aller à Lourdes, d'aller à Figari, tout ça. Là, les combines de copains, de machins, d'amis, de trucs, de machins. Il est en train de grandir, Claude. Et dans le futur, j'ai confiance en lui. Parce que tout,
tu as deux attaquants à out, hein, Santerre et Aspantino, hein. Ça fait beaucoup, hein, pour un club comme les nôtres, hein. Et tu ne veux pas tes remplaçants qui puent le Corse, on a eu moins d'efficacité aussi, malheureusement, pour Da Silva, il a mis un doublé le match d'avant, mais sinon, il y a moins d'efficacité. Ça, c'est voilà. On a moins d'efficacité. Quand j'ai dit la fois qu'on a eu une réussite, achat, on va gagner un peu. On a eu l'achat. Il y en a qui ont dit que j'étais sévère. On reprend les matchs. Pas du tout. Le restart, tu fais 5 tirs, tu marques 5 buts. C'est chariot, c'est 5 tirs cadrés, 5 buts. Ouais. Et là, on a été surpris à Franche que le gardien a fait des arrêts. Le gardien qui a plongé. Il fait son match. Il a plongé. Ils ont pris beaucoup de matchs. Oui, on joue de la tête contre son camp. Boulogne, il n'y a pas corner, tu marques. Il tire plus mal contre son camp. Et Roby qui est replacé devant. Roby qui est replacé devant. En fait, 7. Non, mais on va revenir vite fait là. Allez, laisse le Milan, allez, reste. 7. Et il marque. Un refusé, on ne sait pas pourquoi. Avranche, au match aller, justement. Ils allaient guiser à la fin, il n'y a pas hors jeu. Ils sifflent hors jeu. Hier, ils se sont fait pénalty, il n'y est pas. Le nôtre, il n'y est pas. Et il y en a deux pour eux. Je t'ai demandé, tu as une réussite aussi. Ouais, c'est pas saisi, hein. Ah, pas saisi. Et on a vu un gardien qui a plongé. On dit, pour lui faire maintenant. Il a plongé, c'est tout. Il faut toujours le sans compter que le Sporting, cette année, et c'est pour ça, je suis rejoint alors l'ensemble des supporters qui disent, bien sûr qu'on n'était pas attendu à monter. Moi, en novembre, je dis, je sais pas, hein, on n'est pas attendu. Pourquoi moi, je l'attendais un peu. Pourquoi 50, tu prends tous les matchs du Sporting, dans un match, il y a trois matchs dans chaque match du Sporting. On change la tactique sans arrêt, on rebique de 10, il passe en 9 à Boulogne, justement. Tu as des premières mi-temps souvent loupées. Orléans, on a obligé. Des premières mi-temps souvent loupées. On a oublié, je suis grave, Orléans. Moi, je suis content qu'on soit second avec tous ces points d'avance. Ça, c'est dur de voir ça. Non, ça, c'est quelque chose. Moi, je ne suis pas étonné, non. Je suis étonné, on le voit au football amateur et tout. Je suis étonné parce qu'il y avait 6 joueurs offensifs. Entre sur le banc, sur le terrain. Ça veut dire que tu comptes pas sur les équipes. Tu prends encore pour, tu es éducateur, tu le sais. Tu peux pas le faire, ça. Va devant, tu es grand. On le faisait à l'époque, va devant, tu es grand. Il y a d'autres qui le font. Tu l'as fait à l'époque de Rodin avec Charles. Non, tu vas dire ça, mais. Pourquoi Laurent Blanc il finissait pas devant des fois avec l'équipe de France ou avec. Non, tu vois. Bon, là tu parles Laurent. Non, mais il a commencé devant. Non, il avait des. Non, on n'entend plus rien. Il y avait Barthez qui envoyait des brilles devant, bien sûr. Il avait déjà fait rentrer devant. Et les joueurs offensifs. On n'entend plus rien là. C'est la cache en. Hein, c'est en quel match qu'il le fait jouer devant Boko s'il avait fait rentrer Orléans. Je l'avais dit, non, il y a un match. Annecy. Il y a un match, c'est sûr, il joue devant. À Lyon, je dis d'ailleurs, moi je l'aurais fait rentrer avant devant. D'ailleurs, il fait rentrer Gary. Parce que Gary. Il n'avait plus d'attaque. Gary, quand vous voyez les bijoux sur les balles longues, sur la chaîne. Jean-Étienne, il n'avait plus d'attaquant. C'est pénurie de joueurs, d'attaquants. C'est pénurie de joueurs, oui. Mais là, il a 6 joueurs offensifs. Et dans ce système là, dans sa tête, moi je vous dis ce qu'il a pensé. Alors, laisse Silva. Dans sa tête, on joue long sur beaucoup, il va y avoir une déviation, il va marquer. C'est non, ça possible que tu joues long. C'est non, il va, il s'en va, qu'est-ce qu'il fait? Sinon, là, alors on va. La situation là, c'est le manque d'envie du groupe, il y a trois trucs. Ou c'est la fatigue du groupe, la pression de fin de saison, ou un coaching qui n'est pas adapté à la fin de saison. C'est tout. Parce qu'à un moment, c'est pas chercher un coup, mais c'est trouver une solution. Parce qu'on va pas lâcher. C'est horrible. On est l'équipe la plus pénalisée du championnat pour le manque de public. De public. Ah, mais ça, c'est sûr. Hein. Les autres sont habitués à jouer sans public et nous, ça nous pénalise. Pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur donc, l'histoire de Salis qui joue pas trop, Moretti qui ne joue pas trop. Moi je veux bien que le coach, j'ai rien contre le coach, je suis pas un fervent supporter, on va pas, non, je suis pas un fervent supporter, mais je le cache pas, non, oui, je l'ai jamais caché, ça pique, je suis pas un fervent supporter, je suis supporter du Sporting par contre, et j'ai envie qu'on monte en Ligue 2, avec le coach Chabert ou avec n'importe quel autre coach, j'ai envie de monter en Ligue 2, et j'aurais eu le même discours comme n'importe lequel d'entre nous ici, et les supporters qui allaient au stade, qui iront au surtout qu'en plus l'équipe adverse tranche en genou en 20 mais une demi-heure pour moi c'est pas fait, j'ai d'accord, alors, donc monsieur Chabert a dit qu'il était corso compatible. C'est un message qui est positif au peuple bleu, parce qu'on le sent qu'il a envie de se faire aimer du peuple bleu, l'histoire de la pub là, j'achète ici, voilà. Bien,
Si tu fais jouer, fais jouer Moret, Salis. Peut-être que nous, on va réagir différemment. Peut-être que nous, on va dire. Ouais, mais bon, on perd avec les nôtres. Allez, je vais enchaîner. C'est ce qu'il dit. Attends. C'est pas parce qu'il n'y a pas un supporter, Anthony, justement, qui se permette de faire jouer les nôtres. Pas le supporter, ça, mais déjà. Il veut se faire aimer, je vais aller continuer dans son sens. Donc il dit, je suis corso compatible et tout, donc il veut ressembler à Hans. Ça c'est mentir. Dès qu'il est arrivé, cette. Il veut faire du Hans. Mais moi, je vais quand même dire aux gens la différence entre Hans, monsieur Hans et monsieur Chabert. C'est quand il faisait ses discours, qu'il avait en conférence de presse, et encore, il le faisait quand tu avais acquis les résultats. Hein. Hans, il a jamais fanfaronné avant. Bon, en national, bon. Je n'ai jamais entendu. Voilà, en national, on n'a pas attendu. Et en Ligue 2, quand on a été champion, et en. Bon. Ouais. Mais quand il avait ses discours soi-disant populistes, parce que pour certains, c'est populiste, c'est une insulte. Hein. Pour moi, populiste, non, au contraire, moi j'aime bien ce discours. Bon. Non, il faut être à l'UNEF, Anthony. Voilà, il faut être à l'UNEF, il faut être un bon gaucho. Être un supporter de l'UNEF. Mais entre les deux, mais c'est important ce que je vais te dire. Entre le discours de Hans et de Chabert, c'est que Hans, lui, il était corso compatible, mais il les faisait en dehors du terrain. Bon, je vais pas te l'apprendre à toi, Jean-Marie. Hans, je ne parle pas simplement de nous, mais en général. C'est quelqu'un qui échange énormément tes supporters. Ah oui, on le voyait partout en ville. Il venait discuter, Hans, il prenait la température, Anthony, qu'est-ce que. C'est ça, être corso compatible. Quand il y a le petit souci, on va pas revenir sur la liste avec nous, à l'époque des noms, tout ça. Le vrai corso compatible, il prend le téléphone, les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Mais moi, c'est pour ça que. Moi, aujourd'hui, j'ai mis un post sur Facebook et sur Twitter. Que moi, malgré tout, que je suis, c'est pas quelqu'un que j'ai. En tant qu'homme, je n'aime pas. On n'ira pas voir un coup ensemble. Voilà, on n'ira pas par. Voilà. Après, on n'a pas besoin de. Du moins, pas de mon chef, ouais, c'est pas moi qui l'inviterai à voir un coup. Mais parce que, à l'époque, ce que je lui ai reproché, c'est de ne pas avoir essayé de régler les problèmes. Et pire que ça, il a essayé de nous mettre des gens contre. Un mois après, en plus. Un mois après, il a essayé de nous mettre. Tu imagines ça, tu peux bien arriver. Il nous a mis, oui, mais bon, des... Non, mais il a réussi avec les corso compatibles, parce qu'il y a des corso compatibles avec lui. Oui, il y a des corso compatibles. Mais moi, c'est ça que je lui ai pardonné. Non, on ne voit plus les corso compatibles. Moi, Gilles, pourquoi je ne vais pas lui pardonner à Chabert? Je vais le soutenir à mort. On va monter en Ligue 2, je vais tout faire. Mais en tant qu'homme, il est zéro. Ah non, il a été bidon. Parce que le type, il vient d'arriver, il veut te mettre. Il a mis la zizanie entre supporters. Et après, il ne faut pas croire non plus qu'on a. Enfin, c'est mon avis, je pense que c'est celui de tous ici. On n'attend pas que le coach il s'écrase avec le Sporting. Hein. Ouais. Non, mais tu as des corso compatibles, je vais revenir à cela. Ils existent, ils sont chez nous. Hein. Ils sont chez nous, c'est des vrais, il n'y a pas de souci. Ils vont très bien avec Chabert, ils peuvent aller même dans le même village que lui vivre. Ungawa, voilà, Chita Ungawa. Mais on s'en fout. Écoute-moi, c'est corso compatible. Si tu fermes ta gueule quand il y a des... Non mais. Oh non. Non mais il faut fermer sa gueule quand tu as des résultats. Ferme ta gueule. Ils sont dans la culture de l'instant. Hein. Et il faut fermer ta gueule même si ça va pas. C'est-à-dire que tu fermes ta gueule tout le temps. Maï Préchette qui était à ta place a dit il y a du sodomite chez nous. Il y en a. Oui, énormément. Et plus qu'on en croit. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas retenu les leçons du passé. Les leçons du passé, c'est. Ils sont dans la culture de l'instant. Ils sont même pas à se projeter. Moi, quand je dis à 3 semaines avec vous tous ici, Kemper va se blesser. Je veux pas du mal à Kemper. Ouais, mais souvent. Je me projette. Souvent, on anticipe. Mais on anticipe. Quand on a commencé à dire les neufs, ils commencent à nous fatiguer. Ça mal. Tu as quand même mettre 20 000. Oh, connard. Les amis, c'est le budget de la casine, Péro. Moi, je t'en mets 200. Qu'est-ce que tu mets, 20 000? C'est ça, les gens. C'est que nous, on a beaucoup d'infos en off. Et on anticipe après plus rapidement que les autres. Et on nous en veut toujours un mois avant. Tu sais, je vais te dire. Il faut qu'ils sachent, Jean-Marie, laisse-moi parler avec les gens. On ne changera pas. Mais c'est donc l'émission existera. L'émission va faire. On va monter en Ligue 2, elle va faire toutes les catégories. Comme Chon, on va faire. On a fait toutes les divisions. On a tout fait. Mais il faut qu'ils sachent, les gens ne changera pas. Non, et puis on se dit. Ne vous aimez pas, vous allez encore vomir. Anthony, on sera encore là. Voilà. Et la majorité des supporters nous aiment parce qu'on c'est dit la vérité. Oh, sur le mais sans les gens, ils changent. Et je finirai changé. Avec Schtroumpf Sonoy. À un moment donné. Ne suis pas chemin là-bas, nos oreilles. Là, tu il a le tout à tout. Là, il a le tout et tu le tues. Il m'a tombé. Il y a du sang. À un moment donné, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu es supporter du Sporting, oui. Quand tu es un type de, je veux dire, je ne supporte plus un anniversaire. Et à un moment donné, on demande au club de faire un changement à 180 degrés, et eux, ils restent des plots de 1912, comme ça.
Mathieu. Non mais Mathieu. On va monter. On va monter. Mathieu. Même plus de réflexion. Tu sais. Tu sais. Et je vais dire comme il dit Anthony. Anthony, il a raison de dire. Nous, quand on est les premiers à critiquer, on s'en prend plein la tronche, oui, parce qu'on sent la chatte, on sent le nus, on la sent bien. Ah, mais... À l'arrivée, ces gens-là, quand le mal est fait, non, on ne dit pas que vous avez raison, ils sont pires que nous. J'en ai déjà vu. Hein. Tu vois, je reviens à le truc qu'on a eu avec Chabert. Moi, certains, ça me fait rire, je ne vais pas. C'est là où on est gentil aussi. Des gens qui ont dit contre nous, si tu le vois ce qu'ils ont dit sur Chabert hier soir, ils sont pires que nous. C'est la folie. Ah, ouais. C'est de la folie. Eux, ils jettent au pilori. Eux, ils l'assassinent. Et ce fabuleux argument aussi, moi, qu'on a sorti, vas-y à sa place. Alors voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais enlever de la bouche. Vas-y. Il y a un truc. Non, mais là, attends. Jean-Étienne, il y a un truc très grave qui se passe. Monsieur Jean-Étienne Landine. Monsieur. Jean-Étienne, écoute. Regarde ça, je vais te montrer moi-même ça. C'est la situation sur Nice Chabert, c'est ça. Tu as un des deux à la porte de la. Attends, là. C'est ça. Je t'explique. Faut plus se calmer. Il y a aussi des générations, il a raison. Alors j'épargne les jeunes, j'épargne ceux qui ont 40 ans, 35 ans, 30 ans. Ça, dans leur bouche, je n'entends jamais, et bravo à eux. Et ça, c'est ma génération, et les plus vieux qui sont des infections pour ça. Tu vois, pour une fois, les jeunes, je les épargne. Moi, dans ma génération, les plus vieux, des trucs de fou, même comme mon frère. Ah, ça existe encore maintenant. Ça existe encore. Mais nos générations les plus vieux. Ah, moi, je me suis pris la tête avec un vieux. Vas-y, en fait, Jean-Marie. Un ventre de toi. Va jouer toi. Moi, je suis pas joueur, je suis pas entraîneur. Le même qui va dire ça critique Macron. Va prendre la place à Macron. Oui, bien sûr. C'est des débiles. Sa femme va se faire opérer. La grosse se fait opérer, par exemple. Par quelqu'un. C'est pas bien. Il la loupe. Le chirurgien lui dit monsieur. Et le frère du chirurgien qui est là, elle va opérer toi. Non, mais pourquoi? Soyons dans des raisonnements de trisomique. Eh oui. Voilà. C'est tout. On a notre avis, c'est qu'on a notre problème. C'est aussi la Corse qui est comme ça. C'est compliqué. Donc tu es corso-compatible, Chabert, parce que tu n'aimes pas les critiques et tu es comme beaucoup de gens qui sont la politique de l'autruche encore. Non, mais c'est compliqué parce que moi je reviens à ce qui est la dernière émission. Donc quand on parlait, donc moi il y a eu donc Gilles avait mis un poste, donc on discutait, faut faire attention à pas faire une Sedan. J'ai pas dit qu'on allait faire une Sedan. Il fallait juste tirer la sonnette d'alarme et dire on joue pas bien. Les victoires, c'est l'arme qui coche la forêt. On a 11 points d'avance sur le troisième, les gars. Je dis pas qu'on va pas monter, mais bien sûr. Non, faut vraiment est-ce qu'on doit se permettre de proposer ce qu'on propose actuellement? C'est ça, moi, en fait. Parce qu'il faut avancer. Voilà, et j'ai vu des commentaires, là, comme tu le disais, comme l'a dit Jean-Marie, encore plus virulents, méchants. Mais finalement, moi j'ai jamais dit. Jamais, nous on n'est jamais dans l'insulte. Jamais. On n'est jamais dans l'insulte. Moi je mets au défi des gens qui voient qu'on a insulté Chabert. Jamais. Et puis on n'a jamais eu de faux comptes à faire les. Voilà, et nous on a su. Les faux comptes moi dans le poste d'aujourd'hui, c'est mon nom. Qui es-tu, Santaré, Andaré, les marques rush, qui es-tu? On en prend plein la tête. C'est le jeu, on dirait que c'est le jeu. Non, c'est le jeu. Mais on sera toujours là. Les buts, allez, quand même. On aura deux buts, quand même. Il fait mal, ce but, il n'est pas. Béliard, très bon fait. Regarde comment il a passé entre les gens. Le fromage, hein. Ah, mais vous venez regarder le football. Il ne doit pas jouer celui-là, il s'est blessé. Il est rentré, voilà. Avant ça, il y a le pénalty raté en deux coups. La tête de Doumégou. Si on regarde Boko, qui est un garçon que j'ai toujours défendu, qui n'y est plus du tout depuis deux matchs, mais que je l'ai défendu. Mais on ne l'a pas aidé dans le système. Stop au 3-5-2. Stop. Il a dit le coach, pourquoi je vais changer un système qui marche bien? Reviens à ton système. Il y a les résultats. C'est ce qu'il a fait. Il y a Quevilly qui a gagné 3-1 face à Lyon. Est-ce qu'on va regarder encore Quevilly? Il y a des matchs intéressants ce soir. On tourne là, mais c'est ce soir. Je n'ai qu'une chose résultats. À dire en même temps, puisque c'est un week-end pascal et religieux. Ouais, le classement, tu peux dire. Hein, le classement. Même mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Alors voilà, Bastien, 50 points. On n'a pas bougé, bon, c'est long. Mais 54 demi. Bon, il y a quand même 11 points d'avance sur le troisième encore. 7 rencontres avant la fin. Non, il faut une catastrophe pour pas qu'on monte. Et puis les statistiques
Quand là, on joue deux fois d'affilée à l'extérieur. C'est rare que tu perds deux fois d'affilée à l'extérieur. C'est rare. Mais il y a toujours. C'est rare qu'on perde deux matchs d'affilée tout court aussi. J'ai annoncé 55 points, moi, la montée. Construction du club, et j'ai pas le souvenir. Montée à combien? Montée à combien? Moi, j'ai 55, la montée. 58, toi. Moi, j'ai 55. Les journaux ne se trompent pas. Moi, je dirais 59. Ils disent déjà naissance. Ils disent déjà que Kevin a deux doigts de la montée. Ils disent déjà les journaux. Toi, combien tu mets la montée, toi? Moi, la montée sera pour moi 55. Moi aussi, je dis 55. Le restart ne gagne pas, tu peux monter avec 55. Mais je peux dire quelque chose, si on ne monte pas, c'est pas grave. C'était pas l'objectif. Regarde, elle est là. Mais la pelouse de Pétrel, merci Pétrel, la pelouse se régale. Bravo Pétrel. Le meilleur recrue de l'année. Ah oui, Cristiano d'or, allez, moi de voir. Par contre, à Laval, je redis, à Laval. Remets ta gueule. Cristiano d'or, vas-y. Amène tout le monde. Non, mais regarde, je m'arrive. Cristiano d'or. Mais tu vois, alors déjà, mérité pour lui. Mais quand c'est ton gardien, deux fois. Deux fois d'affilée, là, il vient d'être élevé. Ah oui, mais ça fait deux fois. Là, c'est pas bon, hein. C'est que tu subis qu'il est sollicité. Bon, calmez-vous, on gagne les matchs. Il était toc à toc avec Cassignon et Boko, hein. Ils ont été. Non, mais je veux dire, quand un gardien est ton meilleur joueur. C'est que tu subis. C'est que tu subis. Roche Patino, quand même, 5 points. Ah, ça, c'est encore moi, j'ai mis ma non, moi, j'ai voté une Chassigne parce que. J'ai voté tout à fait. Bon, il y a deux. Deux pour. Vous voyez le match, hein. Deux pour Thomas Chassigne, deux Chour après ce soir. Il y a des petits matchs, c'est intéressant à suivre. Allez. Moi bon, j'espère qu'il aura pris. Thomas, j'espère que tu l'auras pris, ça voudra dire que. Après ça dépend, ça peut être le point droit. Moignon, Oui. Si on prend plus les buts jusqu'à la fin. Moignon Navarès, il avait été élu meilleur gardien. Moi, et de Ligue 2 aussi. De Ligue 2, National, donc, Ligue 2. Puis on est monté, on a survolé. Le Gaëtan Perrin, vous avez vu, classement des passeurs. Gaëtan Perrin, c'est pas pour rien. C'est mon Perrin, qui agit là sur ce Perrin. 25 ans formé à Lyon. 24-25, ouais. Ça 25 ans formé à Lyon, ne mangeant que des crudités. On peut voir le chien, celui-là. Et Crudité, il va chez Miguel Moscardi, il se régale. Il mange les Crudité à midi. Je vais juste deux autres. Non, mais. La brasse, c'est ce genre. Oui. Et le réfectoire chez nos amis sponsors. Allez. Michel Moscardi. Et moi qui suis un ancien homme de la nuit, comment il est physiquement? Parce que je t'expliquer après. Vas-y. Qu'est-ce ça? Perrin. Ouais, pas mal. Parce que s'il vient, il a quelque chose. On a la poufiasse locale. On t'assure la poufiasse locale. Il a quelque chose. Ah oui, on t'appelle de la guse. Hein, dans la thune, j'ai vu la thune. Vous avez vu les clubs de Ligue de National 3 ils veulent la Ligue 3. Enfin, la National 1 qui veut la Ligue 3. Oui, c'est pas si ça. Hein, c'est bien. Parce que ça aurait été bien. Ça fait un moment que c'était. Et c'est même dans l'intérêt de la Ligue 1. Ça avait été refusé. Oui, c'est les clubs de Ligue 1 qui ont refusé parce qu'il fallait qu'ils redonnent un peu d'argent de leur. Mais c'est leur intérêt, bien sûr. Mais vu la crise, il faudrait qu'une fois. Il faudrait qu'une fois. Une question, vous qui êtes d'une génération un peu plus avancée. À l'époque de la division 2 à 36 clubs, donc 2 fois 18, est-ce que tous les clubs étaient pros? Oui, je crois. Donc ça existait. Mais non, parce que c'était une Non, tu as raison. Ça a existé. Tu as raison. Non, il a raison. Tu as raison. Ça fait 56 clubs. Guignon étant amateur a refusé la Ligue 1 et le statut professionnel. La Ligue 1 ou la Ligue 1 il avait refusé. Tu es sûr que c'est ça? En 78, c'était en 79. Parce non, il n'y a pas deux groupes en 78, Jean-Marie. Il y a deux groupes, on dit deux. Mais non, c'est dans les années 80, les deux groupes. Je te promets qu'il y a deux groupes. Mais non, Jean-Marie. Justement, quand on est dans les années 86. Je vais chercher, Quand on est 180. Dans les années 80, oui. D'ailleurs, quand on est 100, il y a deux groupes. Oui. Il fallait finir dans les 10 premiers, Jean-Etienne, pour la Super Ligue 2. Après la catastrophe, on finit dans les 10 premiers. Avec Antoine Giffra, Yves Mondjean et Morlaix Simon. Petit clin d'œil aussi à la session. Non, mais oui, à cette époque-là, mettons, on parle des années 70. Bon, vérifie, on regarde. Non, non, laisse parler. C'est mes idoles. Non, c'est moi, c'est la section énorme. Hein, c'est bien. Moi, c'est mes idoles, c'est eux, mes idoles. Celui-là, notre Martial, ils sont bons. Hein. Notre Martial et tout. Ouais, ça, c'est des bons, celui-là. Martial, je te ferai manger un peu d'abricot. Tiens, tu lis. Je ferai grignoter. Lis ça, lis. Guignon refuse, mais il n'y a pas de groupe pour que ça Guignon refuse. Il change de nom. C'est pas ça. Ça m'a rosé. Mais non, donne. Si, ça m'a rosé. Les amateurs, enculé. M'a rosé. Enculé. Il refuse, mais un groupe. Tiens, les 36 clubs participants. Non, il y a
Ligue 2 champion de Ligue 1. Calmons-nous. Un peu de sérieux, on se calme un peu, pas. On peut y arriver. Non, non, non. C'est mon info, c'était la question. C'est 80 non, ça, Jean-Marie. Non, c'est 78. Non, c'est pas vrai. C'est faux. Je demande des problèmes. Chez les anciens, chez nos anciens, Jean-Marie, j'ai vu une Estroluc qui est rentré après 25 jours d'hospitalisation. Nénad, il a failli. Regarde, Jean-Marie. Nénad, il a failli mourir. Tu reviens à la pagode. Regarde, il est rentré chez lui après 25 jours d'hospitalisation. On dirait Jean Bazel, il était chez lui. Il a failli lâcher. Allez, allez. Sois vrai. Finale du groupe A en 78. Premier Guignon. Ta gueule. Allez. Premier Guignon, deuxième Avignon. Et dans le groupe B, premier Brest, deuxième Lens. La D2, 36 clubs. Le groupe Brest. Non mais d'accord. Bah, il refuse en 78. Pour ne pas passer à il est amateur Guignon. Il a le statut de Bible et moi de Jésus. Alors attention, Rémi Landreau, Michael Landreau, le foot au moment que j'ai envie d'un projet pour le vrai club. Ah, je sais pas si ce serait bien pour nous. Non, mais est-ce que c'est dans le profil ici? Disons qu'il a un profil de communicant qui irait mieux à quelqu'un comme. Moi, quand je vois par exemple Claude Ferrand, tu vois un président qui présente bien, qui sait parler, qui est intelligent. Il aimerait avoir peut-être dans le club des relais qui lui ressemblent. Oui, Claude Makélélé. Alors, est-ce que Landreau, entraîneur... J'ai adoré. Moi, en sportif, je n'ai pas le sentiment qu'il y a eu un grand moment à Lorient pour lui. Après, ça je sais pas. À Lorient, je ne sais pas. Après, le directeur sportif, qui, à mon avis, aurait été intéressant d'en avoir un là maintenant... Parce que ça aurait, à mon avis, ça coûte de l'argent. Il faut de l'argent. Bah, on boule là aussi. Ils ont fait l'interview. Si on parle d'entraîneur... Oui. Il va peut-être falloir un bâtisseur. Oui. Pour l'an prochain. Alors qui? Si on est en Ligue 1. Mais qui? Après, je ne sais pas. Ah bon, un bâtisseur, pas un mec de coup. Vas-y, continue. Bafi. Toi, tu penses que Chabert est un mec de coup ou de bâtisseur? Bah, je vois plus de coup que de bâtisseur. Hein. D'accord. Comme a dit Bégit. Tiens, tu le vois en Ligue 2, Chabert, tu le vois réussir ou pas? Moi, je ne vois nulle part. Mais tu vas réussir en Ligue 2. Moi, franchement, je suis sceptique. Il va nous faire monter, tu es obligé de le garder. Si tu mens. Je sais pas. Mais moi je pense qu'en Ligue 2, non. Faudra pas attendre trop longtemps parce que ça peut péter de tous les côtés. En Ligue 2, tu discutes avec des professionnels. En Ligue 2, il y a des agents. Si tu mets les joueurs en place comme tu fais, les agents vont t'appeler. Ils vont appeler le club. Tu es professionnel. Président, tu mets ta pression après. Oui. Par contre, c'est quelqu'un qui peut aussi progresser en tant que. Dans la communication, en tant que coach, en tant que comme les joueurs. Vu comment il est. Vu comment il est humainement les réseaux sociaux. Moi, j'ose espérer que tout le monde progresse dans la vie. Imagine-toi le dans un stade plein, il explose. Ah oui, il a la chance de parler. Là, il joue le stade vide. Quand ça va siffler, les trucs. Quand ça va siffler, qu'est-ce qu'il va faire? On va retrouver en roulant aussi l'année prochaine, en Ligue 2, si on monte en Ligue 2. Mais je pense pas qu'il nous arbitrera. Il peut nous arranger avec nos joueurs. Non, mais il peut nous arranger dans le cas où il y a un match un peu... Je pense pas qu'il nous arbitrera. Je pense qu'il est... Je veux Chabert quand tu m'insultes. Oui, moi je veux Chabert, s'il te plaît. Chabert, vas-y. Je veux Chabert. Ça va aller. Non, mais c'était sur le coup. Non, c'était pas les mises en scène. Je veux Chabert. Écoute, il faut monter. L'essentiel c'est de monter. Mais après Claude, moi j'ai confiance en Claude. Parce que il sait qu'il pourra pas se tromper. Tu peux pas te tromper, il y a des trop d'argent. Voyons, c'est modeste, toi, ça c'est un film quotidien modeste aussi. Et bon, il a mis une petite poussette dans un article. Il a raison, pourquoi? Président d'ailleurs du FC Loupis doit s'être annoncé aujourd'hui. Eh oui. C'est pour moi. Gilles, là, tu me remontes la France. Toute ta famille est originaire, tu fais quoi? Tu peux pas régner. Non, mais la mini, qu'est-ce qu'il a déjà porté? Bastia est un club particulier pour moi, c'est chez moi, c'est mon club. Je le suis en tant que supporter, c'est un appel du pied. Il faudrait s'appuyer peut-être sur des types comme François Modeste, recruter, que des prêts. François Modeste, c'est qu'il allait mettre tapis rouge. Non, mais voilà, mais c'est des appels du pied. Tu crois que si tu le sollicites, tu ne peux pas te laisser un joueur à laisser le François, dans le 3 langues. Il est bien que tous les clubs. C'est la classe 4. C'est le Lumineur. Parce que là, il travaille aussi pour un autre très bon anglais. C'est longtemps qu'il parle anglais. C'est italien. Parce que par rapport à ce sont des connaissances qui font que. Enfin, des portes qui ont été laissées ouvertes. Bah, signor, il est bien normal. On avait espoir. On a mis l'espoir dans tout ça. Tu sais, pas pour autant. Tu sais, François Modeste, c'est un des rares joueurs corse qui a eu le courage après le match de Rennes en Coupe de la Ligue de dire qu'est-ce qu'on s'en fout de la Coupe, finalement, elle va coûter cher ou un truc. D'être ironique, donc. D'être ironique,
Ça, beaucoup lui en ont fait le reproche au club et dans ses collègues, hein, je veux dire, ouais. Pas dans les supporters. Il y a même des supporters. Non, il y a même des supporters qui sont allés, qui ont été dit, mais vous êtes payé, vous n'êtes pas payé. Préfet Chabert. Ils sont allés le truc. Préfet Chabert, ça insulte. Je me fais un peu détruire un petit club. Non, mais tu parles de Chabert, Guy. Tu sais qu'à la conférence de presse de la Franche avant, il se prend la tête avec le cœur. Le cœur, c'est journaliste. Le journaliste, j'ai su. Oui, c'est parce quoi que l'article d'Orléans, tout ça. Il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé. Le Philippe Le Cœur, le journaliste de Corse Matin. Je ne connais pas celui-là. Bah, moi non plus, je ne connais pas. Bah, apparemment, l'article d'Orléans, ça n'a pas plu. Voilà. S'il entraîne en Italie, comment il fait? S'il entraîne en Italie. S'il entraîne l'OM, un club qui gère 1 million après chaque match, et qui tombe sur le Mongolien de Ben Gouze, tu vas avoir droit au gros minimum. En couille après sur le reste. Non, hein, pas de. Non, Préfet Chabert, vas-y. Là, petit clin d'œil, là. Petit clin d'œil, Radio Sportive, notre ami Mouki. Petit time. C'est le goûter. Je me suis ségoré, Jean. Je ferai une coupure, hein. Vous voyez pas. Non, on le remet, allez, on peut le remettre. Fais les pommes pour serrer, mon ami. Ah oui. On voit qu'ils avaient des couilles, les joueurs à l'époque. Ah, c'est énorme. Félix. C'est dégueulasse. Bon, voilà. Par contre, il a les couilles, comment il était. Mais ça jouait, bon, mais moi, ça jouait. Non, mais les couilles, moi j'ai les couilles. Comment c'est que tu as pas les couilles? Bon, en tout cas, très bien. Le petit Mouki, il est très bien. Moi, je me régale. Hein. C'est, ah c'est oui, très bien. Oui, c'est oui, très oui, bien. Et il faut les couilles tout d'un coup. Et mon ami, mon cœur. Chabert. Sensuel, qui prend la pile dans sa mouchoir de poche. Moi je suis talonnade de Flavio,